Alors, nous avons été réunis de toute urgence ce soir, nous sommes lundi, pour fixer l'opinion sur une situation délicate. Tous les Congolais le savent que Christian Bossembe, le président du CESAC, a été agressé. Pas pour la première fois en tant que Congolais, il y a eu précédent par nos compatriotes de la diaspora. À notre grand étonnement, depuis cet après-midi, ayant identifié les auteurs, les commanditeurs de ces faits infractionnels du reste répréhensibles, mais une tournure politique a été accordée de la part de l'UDPS, qui a ordonné depuis cet après-midi de faire porter la croix à Peter Tiani après son bref séjour en Europe pour des raisons privées. Nous sommes très surpris d'apprendre que les forces du progrès, qui n'a d'abord pas un soubassement juridique, qui doit être assimilé aux milices, va visiter la résidence du journaliste Peter Tiani. Nous sommes déterminés, en tant que des hommes, des intellectuels, parce que nous ne pouvons pas venger la même méthode ou le même mécanisme. Nous serons chez Peter Tiani ce soir. Nous avons décidé de passer nuit. Ceux qui veulent le visiter, les tuer, tuer sa femme et ses enfants, saccager sa maison, sont les bienvenus. Nous allons compter les incidents provoqués par l'UDPS. Après ici, nous allons passer tous nuit chez Peter Tiani, en attendant que les forces du progrès envahissent la résidence de Peter. Donc les Congolais sont témoins aujourd'hui de ce qui va se passer et les conséquences seront tirées selon ce qui va se passer. Tokutani awa na lombango après agression ya ndeko Christian Bossembe na mboka Paris oyo biso nyonso tuto kondanaki na butu ya lobby pe na tongo ya lelo kasi likambo ya kokamo makasi selon de sources sûres toyoki te secrétariat général ya IDPS abimisi musolo ebele bapesi na bandeko ya force du progrès oyo ezali considéré comme la milice du parti au pouvoir pote bakita na ndako ya Peter na ngonga ya 2 heures na butu lelo po baya ko saccager ndako na ye to ebite ba ko sala nini a part ko saccager ndako peut-être bazoya na station ya roboma ye ko boma bana na ye ko boma na mwasi na ye na yango wana nde to kutani awa po na ko lancer message oyo. Il y a liboso message auto lancé yango na communauté nationale et internationale. Il y a mi balé to lancé yango na bayi presse nyonso. Que lelo na a partir ya poko a lelo to kokutana na ndaku ya ndeko na biso Peter Tiani. To kolekisa butu na ndaku na ye na tina te to assisté avant ba boma ye et pas bande kwa ba force du progrès. Babo mabiso nyoso elongo nande kuna biso Peter Tiani responsabilité ya liboso IDPS nde akolata yango responsabilité ya mibale pouvoir ya ndeko Félix Tshisekedi.